Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette 12e chronique, une chronique qui sera un petit peu spéciale. On va aborder aujourd'hui les idées cadeaux pour les retardataires ou pour ceux qui n'avaient pas forcément encore eu le temps de se prêter à ce jeu-là des cadeaux de Noël. On a plein de petites idées pour vous, il y en a pour tous les budgets, hein. Ça va de 20 euros à 69 euros selon les produits que je vais vous proposer aujourd'hui. Il y en a vraiment pour tout le monde. Alors on va commencer par les petits accessoires hein, qui font toujours plaisir, bien sûr, c'est les nœuds papillons et les cravates. Alors les nœuds papillons et les cravates, comme vous pouvez le constater, ça existe en plusieurs coloris, sous plusieurs formats et bien sûr sous des imprimés ou encore sous des modèles unis. Dans les modèles imprimés, on va pouvoir retrouver beaucoup de petits motifs floraux, hein, comme on va avoir sur celle-ci, sur divers coloris bien entendu. Il y a également dans des tons cendrés et noirs, ça peut être sur des petits pointés, hein, sur une cravate avec une petite fantaisie apparente. Ça peut être des cravates tricot qui sont disponibles dans énormément de coloris. Idem pour les nœuds, il y a des nœuds satin que vous avez la possibilité d'accorder avec une pochette, comme j'ai le cas moi aujourd'hui, ou alors des nœuds simples, seuls, sans pochette. Prix de vente sur les nœuds satin, je suis à 15 euros. Sur les nœuds tricot, je suis à 20 euros. Et éventuellement, pour ceux qui sont un petit peu plus perfectionnistes, on va dire, il y a également d'autres types de nœuds. Ça peut être des nœuds jute hein, qui font leur apparition depuis pas très longtemps maintenant. En dehors des nœuds jute, on a également des nœuds bois qui peuvent être assez sympas. Les nœuds bois sont disponibles sous plusieurs coloris, sous plusieurs formes également. Vous avez également la possibilité d'avoir des nœuds fantasy. Donc voilà, il y a du choix dans tous ces petits accessoires. En prix de vente, je vous l'ai dit, je suis entre 15 euros sur les nœuds satin. Je peux aller jusqu'à 35 sur des nœuds un peu plus sophistiqués en bois ou en jute. Pour rester dans l'idée des nœuds papillons et des cravates, on va maintenant regarder les accessoires qui peuvent se mêler à leur utilisation. Donc on a bien sûr les pinces à cravate. Plusieurs modèles sont également disponibles. Bien sûr, la pince à cravate, c'est le petit bijou que vous allez positionner à ce niveau-là, hein, que vous voyez bien sûr sur moi. C'est une agrémentation hein, pour aller avec votre cravate et amener un petit bijou un petit peu plus fantasy. Pareil pour ce qui va être des boutons de manchette, il y a une gamme de choix qui est très très large. Vous avez autant des modèles un peu barrés, hein, comme les têtes de mort pour les plus rock'n'roll d'entre vous, des modèles un petit peu plus fantasy, hein, comme les ballons de foot, si bien sûr il y a des footeux. Et après, il y a bien sûr tous les basiques hein, sur de la pierre unie ou sur quelques petits modèles qui sont également en tissu. Ça, c'était pour nos boutons de manchette. On va rentrer maintenant sur des accessoires un petit peu plus de la vie de tous les jours. Vous allez pouvoir les voir dans cette vitrine-là. On a une boîte pour bien sûr avoir des mains super, hein, vous mesdames qui aimez que les hommes aient de belles mains. Vous avez le kit pour messieurs avec le savon, la brosse. On a également un petit couteau suisse hein, qui peut être un complément de cadeau quand on n'a pas vraiment d'idée. Donc c'est vrai que c'est l'outil parfait hein, pour ces messieurs. Il y a également nos cartes cadeaux, pensez-y, il n'y a pas de valeur d'achat. Hein, vous pouvez les faire directement en magasin du montant qui vous fera plaisir. Il y a également des cartes cadeaux qui sont disponibles sur Allez Sauf Course, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas forcément envie de se déplacer, là aussi plusieurs valeurs sont disponibles. Vous avez 50 euros, 100 euros, 150 euros ou 200 euros hein, sur le site Allez Sauf Course. Donc si vous n'avez pas vraiment d'idée et que vous savez qu'une carte cadeau, ça irait droit au cœur monsieur, n'hésitez pas de venir directement les récupérer soit en magasin, soit sur le site Allez Sauf Course. On va passer maintenant aux ceintures, vu qu'on reste dans notre accessoire un petit peu habillé. Les ceintures, il y a plusieurs modèles de disponibles aussi. Hein. Vous allez pouvoir autant avoir des ceintures vernies en ton bleu marine, pardon, et ton noir. Ça peut être des ceintures mat en cuir, bien évidemment. Elles sont toutes réversibles, c'est là l'avantage. Vous avez généralement un côté noir, un côté marronné. Possibilité donc d'avoir des boucles un peu différentes. Ça peut être des boucles noires, argentées ou des boucles un peu plus fantasy. Toujours dans les ceintures, et là, on passe sur les ceintures un petit peu plus travaillé, on a les ceintures automatiques. Qu'est-ce que la ceinture automatique? C'est une ceinture qui n'a pas de trou ou sur laquelle vous allez trouver un petit loquet généralement. Ce petit loquet, à quoi il sert? Il sert à desserrer et à resserrer votre ceinture. Donc bien évidemment, en sortant d'un repas un peu chargé à Noël, vous pouvez venir desserrer aisément, sans difficulté et être un petit peu plus à l'aise pour boire le champagne. Donc ça, c'était pour nos ceintures. Donc comme vous l'avez vu, bien sûr, il y a plusieurs possibilités. La dernière, elle se trouve juste devant vous. C'est un coffret ceinture directement où vous avez une boucle et une plaque qui sont déjà préfournies. Et bien évidemment, le système est le même. Vous avez un côté marron, un côté noir sur la ceinture à l'intérieur. Donc pour les petites idées cadeaux, voilà, vous avez déjà la boîte, bien sûr, pour aller avec. Pour ce qui est des accessoires un petit peu plus mois de décembre. Et là, je m'entends. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être toutes les gammes un peu bonnet, écharpe et gants, bien entendu. Vous avez ce super combiné qui est vendu en coffret, comme vous pouvez le voir juste ici. Vous avez une écharpe et un bonnet donc, qui sont vendus ensemble. Deux coloris sont disponibles en magasin. Vous avez le gris clair que je vous présente ici. Ça existe également en gris anthracite assorti aux gants que je vous ai proposé juste devant. Toujours dans les gants, on a plusieurs possibilités. On a vraiment du classique, on va dire, avec un gant anthracite sans forcément fioriture. Un gant un petit peu plus sophistiqué hein, pour les personnes qui aiment amener un peu de couleur et éventuellement faire des rappels sur les tenues, comme si...
On avait une tenue, comme vous pouvez trouver juste derrière sur mon mannequin, avec un pantalon orangé, un polo bleu marine et une veste en cuir marron. Là, c'est des produits que je vous ai déjà présentés dans des chroniques précédentes. Et bien évidemment, cette paire de gants pourrait faire office et compléter parfaitement la tenue. On a également des gants en cuir pour les plus baroudeurs. Hein. Un petit gant un peu rock'n'roll, on est forcément bien, c'est un indémodable. Plusieurs tailles sont disponibles, hein. N'hésitez pas non plus, ça peut être un super complément de cadeau. Maintenant, on va passer sur des accessoires qu'on se sert plus fréquemment, bien sûr, c'est la chaussure. J'en ai plusieurs modèles à vous proposer, d'autres sont à découvrir également en magasin, bien évidemment. Vous avez la petite paire de baskets de chez Teddy Smith, c'est un bon basique, hein. Généralement, on ne fait pas spécialement d'erreur sur ça. Plusieurs tailles qui sont disponibles en magasin, donc n'hésitez pas à vous renseigner directement sur Messenger ou en venant nous voir en boutique. Également disponible en magasin, chaussure un petit peu plus habillée, hein, celle-ci, autant pour aller avec du costume que du chino ou même du jean, la petite paire de bottines intégrale cuir camel, donc n'hésitez pas, petite bottine montante, on va être sur un produit un peu plus sophistiqué que la basket, bien évidemment, mais voilà, c'est des pièces qui sont complémentaires. Bien sûr, n'oublions pas les chèches et les écharpes, hein, qui sont toujours un cadeau sûr, hein, pour les fêtes, c'est une pièce qu'on se sert assez fréquemment, hein, été comme hiver avec les chèches, qu'on va pouvoir pousser un peu sur la saison, hein, saison printanière, automnale, et peut-être même aussi sur des soirées d'été. Bien évidemment, beaucoup de choix disponibles dans les chèches, que ce soit dans des fantaisies ou de la couleur, mais également sur les écharpes. Et là, on est vraiment sur le produit de saison. Les écharpes, il va y avoir également plusieurs possibilités, énormément de modèles en fantaisie, hein, sur différents tons de couleurs. Je vous fais un petit panaché qui est, on va dire, assez réduit, hein, de ce que vous allez pouvoir trouver en boutique. Donc des modèles fantaisie, en laine ou en mélange, bien entendu, pour ceux qui ne supporteraient pas la laine. J'ai également un très large choix de modèles unis, hein, même principe, soit en laine, soit sur des mélanges. Dans les modèles unis, vous allez pouvoir à peu près trouver une quinzaine de références couleurs, hein, ce qui est quand même pas mal. Sur les modèles fantaisie, on va tourner à peu près avec la même collection, c'est-à-dire qu'on va avoir une vingtaine de références en magasin sur différents tons et différents motifs présents directement dessus. J'en reviens également sur mes accessoires bonnets. Hein. Je vous ai proposé les combinés avec les gants et possibilité d'avoir les écharpes assorties. Il y a également les bérets, hein, pour les personnes qui veulent un peu sortir du côté bonnet ou de la casquette traditionnelle. Les bérets sont également disponibles en magasin, hein, coloris gris anthracite. Il y a également d'autres modèles un petit peu plus sport, un petit peu plus fantasy. Mais je vous laisserai bien évidemment venir les découvrir en boutique. Pour notre chronique d'aujourd'hui, ça va toucher à sa fin. Je vous ai présenté beaucoup, beaucoup d'idées cadeaux. Donc, si vous n'en avez pas encore trouvé, je pense que vous n'avez pas regardé ma vidéo. J'espère très vite vous voir en magasin pour préparer ce Noël avec vous et pouvoir vous offrir de très beaux cadeaux. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.